Je n'avais fait la main de la mort.
à la
leur image. Un philosophe ami que j'aime beaucoup, Emmanuel Levinas, écrivait cette phrase. La vraie vie est absente, pourtant nous sommes au monde. Il écrit cette phrase qui embrasse la réalité de la vie de l'homme sur terre, mais aussi le mouvement de son être qui tend vers sa destinée, vers le désir et la quête de la vraie vie. Le théologien Cabral disait, cet Dieu parle bien de Dieu, qui cependant ne pouvait pas d'en parler aussi. Il n'est pas moins justicier de prétendre qu'un morceau serait fondé à parler de sa mort. Personne n'est témoin de sa mort, puisqu'elle est l'inconnue par excellence, elle est toujours à venir. La mort n'est pas une hypothèse d'école, mais une réalité si fidèlement attachée à notre vie que nous éprouvons le sentiment de toucher au plus secret de la vie avec elle, sans connaître toutefois ce secret. La mort n'a de sens qu'en rapport avec la vie, et, frères et sœurs bien-aimés, elle dépend aussi du sens que l'on donne à la vie, dépend du sens que l'on donne à la mort. De ce fait, la mort, ma mort, votre mort, elle évoque du sens. Du sens. Faire semblant de mourir, de vivre n'est pas impossible. On peut faire semblant de vivre, ce qui n'est pas impossible, mais parce qu'on ne fait pas semblant de mourir. La vérité nous rattrape à la vie. La mort apparaît comme un terme, une fin dans ce sens. Dans sa puissance, elle semble emporter tout avec elle. De ce fait, elle a la réalité commune à tous et à toutes. Pas un monde qui a échappé à la mort. La mort devient un passage obligé, seul point de ralliement que nous avons en commun, que nous tous, nous avons en commun. On peut s'y donner rendez-vous sans craindre de s'y manquer. Elle nous effraie tous. Elle met fin à notre passage physique sur la terre. Elle nous plonge dans la tristesse, des fois même dans la révolte. Elle met fin à notre souffrance. C'est à la vie que nous ne prenions pas conscience de la mort. Elle met fin à notre souffrance. Et Bossuet disait dans ce sens, nous savons que nous allons mourir, mais nous n'y croyons pas. Tout le monde connaît à mourir, mais par un monde qui croit, nous avons frappé. Nous disons ce que ce n'est pas croyable souvent. C'est incroyable qu'il est parti. La mort, c'est ce point de rencontre unique où l'incroyable et le certain se conjuguent pour nous ouvrir justement à une interrogation de la question sans réponse. Quand Sainte Thérèse d'Avila soupire, je meurs de ne pas mourir, elle dit oui à la vie parce qu'elle croit à une vie qui transcende la mort. Il est écrit dans le livre de la sagesse que Dieu n'a pas fait la mort. Il a créé l'homme pour une existence impérissable. Nous ne devons pas vivre comme des symboles, comme des gens qui n'ont pas d'espérance. La mort est entrée dans le monde à cause du péché de l'homme. Et Saint Paul nous fait voir et nous dit, le salaire du péché est la mort. Dans ce sens, la mort devient un mystère qui dépasse l'entendement humain. Elle est le terme de ce qui est mortel et périssable. Justement, c'est là le paradoxe. C'est le début d'une transformation. Elle nous invite à passer sur le courrier de la vie. Sainte Thérèse de Jésus disait, je veux voir Dieu, et pour le voir, il faut mourir. En ce sens, Saint Ignace d'Antioche disait, il est bon pour moi de mourir dans le Christ Jésus, plus que de régner sur les extrémités de la terre. C'est lui que je cherche, qui est mort pour nous, lui que je veux, qui est ressuscité pour nous. Mon enfantement approche, laissez-moi recevoir la pure lumière. Quand je serai arrivé là, je serai un homme. Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, la mort est fait du pèlerinage terrestre de l'homme, du temps de grâce et de miséricorde que Dieu lui offre pour réaliser sa vie terrestre selon le dessein divin et pour décider son destin ultime. On meurt à tout âge. Même si nous ne pensons pas à la mort, nous ne pouvons pas l'empêcher de penser à nous. Et quand tout le monde t'a levé, il va penser à la mort.
Nous frôlons tous la mort, et souvent, nous frôlons la mort. Nous on dit que nous manquons de mourir. Nous manquons de mourir, les maladies frappent nous. Nous manquons de mourir, les nous faisons accident. Nous manquons de mourir, les kidnappent nous. Nous sauver, c'est des sauves grâce à Dieu. Nous manquons de mourir tout. Les autant qui est sur nous pour nous. La mort apparaît comme un être cruel. Un jour ou l'autre, nous mourrons. Un jour, nous serons face à la mort, au moment où nous ne nous attendions pas. Notre frère pervertement est parti, au moment où on lui donnait des soins, au moment où on s'apprêtait à lui prodiguer encore plus de soins. Et on voulait sauver sa vie. On mettait tout en œuvre, les médecins, ses amis, les diocèses, ses proches parents, on tout fait. Mais, enfin, c'est la réalité de la vie. Et comme dit Saint-Luc, il faut rester dans la veille, nous qui sommes encore vivants. Il faut garder sa lampe allumée. Il faut essayer d'être prêt à tout instant, puisque personne ne peut y échapper. Alors qu'il était à quelques jours de son anniversaire de naissance, il est parti sans ses rêves, sans ses projets. Oui, ses projets personnels, ses projets ecclésiaux, ses ambitions, ses aspirations. Comme le dit Emmanuel Levinas, la mort est un événement sans projet, et le projet qu'on peut avoir de la mort est défait au dernier jour. On n'est jamais, frères et sœurs, ni trop jeune, ni assez trop vieux, ni trop prêt pour mourir. L'essentiel, il faut rester dans la vigilance. L'Évangile nous dit qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est de rester en tenue de service, de garder sa lampe allumée. Car on ne savait ni le jour, ni l'heure. Comme un filet, cet événement s'abattra sur vous-même, sur nous-mêmes. Et Jésus nous invite dans l'Évangile, nous les croyants, à adopter une attitude d'attente non pas passive, mais une vigilance active. Le quotidien doit être vécu à la lumière de cette espérance. Frères et sœurs, l'homme porte en lui une fissure. Et nous portons tous en nous une fêlure, des blessures. Et ces blessures doivent nous ouvrir aux autres. Comme chacun de nous, nous permettons vivre dans l'angoisse devant la mort. L'angoisse de savoir comment cela se passera. Et malgré les fêlures, il faut apprendre à vivre. À travers sa vie de pasteur, il a su prendre soin des autres. Cela nous invite à développer, comme dit le pape François, une culture de soins. Oui, le pape François nous dit, il ne faut jamais cesser de prendre soin des autres, mais il ne faut jamais cesser de se laisser prendre soin. Le premier soin dont nous avons besoin dans la maladie est une proximité pleine de compassion, de tendresse. Prendre soin de la personne malade, dit le pape, est une proximité, est donc avant tout, prendre soin de ses relations, de toutes ses relations avec Dieu, avec les autres, avec sa famille, amis, personnels, soignants, avec la création, avec soi-même. Oui, c'est possible. Nous sommes tous appelés à nous engager pour que cela devienne une réalité. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu est là sur notre route. Il nous donne sa compassion, sa miséricorde. Il se fait proche de nous. Nous découvrons que nous sommes faibles et fragiles. Nous avons besoin de l'amour, de la tendresse, de la compassion pour traverser les épreuves, de la souffrance et de la maladie. Le pape lui dit, à vous qui vivez la maladie, qu'elle soit passagère ou chronique, je voudrais dire, n'ayez pas honte de votre désir de proximité et de tendresse. Ne le cachez pas. Ne pensez jamais que vous êtes un fardeau pour les autres. La condition des malades nous invite tous à prêter les rites exaspérés dans lesquels nous sommes plongés et à nous redécouvrir.
il n'est pas contre moi. Et c'est dans cette condition de vie que nous allons découvrir que la vraie vie est absente, malgré notre présence au monde. Dans la troisième partie de ma réflexion, je voulais vous aider à voir que la mort nous ouvre à la vie divine. Frères et sœurs bien-aimés, la mort n'a pas d'histoire, mais elle ouvre toute l'histoire à une autre phase de l'histoire. La mort n'a pas d'histoire, mais elle ouvre toute l'histoire à une autre phase de l'histoire. La promesse de la résurrection, ainsi que la résurrection du Christ, nous ouvre dans une autre perspective sur la mort. La vie du chrétien est prise dans cette trilogie de naissance. La naissance physique, la naissance en Dieu et la naissance à la vie éternelle. Je disais quelques jours une réflexion d'un grand maître dominicain, Timothy Wycliffe, qui disait dans sa réflexion sur la mort, entre la scène, la dernière scène du Christ avec ses apôtres et le dimanche de la résurrection, il y a un temps de silence, il y a un temps mort, la vie est suspendue. Et je peux employer ce mot si philosophique, il y a une époque de la vie. Et c'est dans cette époque que le Seigneur va transformer les choses, va transformer nos vies dans le silence. Et au profond de ce silence, Dieu est là. Chacun connaîtra son vendredi saint. Chacun, après la scène, aura son temps de silence en attendant le jour de la résurrection. Oui, frères et sœurs, cette naissance à la vie éternelle, celle, le destin définitif de la mort. La vie est transfigurée. Voilà pourquoi nous qui sommes chrétiens, les chrétiens, nous devons considérer notre vie et notre mort en Christ comme un bien, nous dit Saint Paul. Et il le dit clairement dans sa lettre aux Romains, dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Telle est notre foi de chrétien, telle est la foi de l'Église, telle voilà ce que l'Église apporte de nouveau dans notre vie d'homme, dans notre vie sur terre, dans le périple de la vie de l'homme. Frères et sœurs bien-aimés, chacun de nous est appelé à vivre dans l'espérance. Car, c'est bon, l'espérance ne se trompe pas. L'espérance en Dieu ne se trompe pas. Derrière le sens de la mort, il y a lieu la vie. Et la voix de celui qui nous dit « Je suis la résurrection et la vie » se fait entendre. La mort apparaît comme le dernier mot de toute existence humaine ici-bas, mais en même temps, jaillit l'affirmation « Dieu est vivant ». Job disait « De mes yeux de chair, je verrai Dieu. » Vous aussi, dans la foi, dans l'espérance, et nos yeux de chair, nous verrons Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu vivant. De ses yeux de chair, le Père Bertrand aspirait à voir Dieu. Et maintenant, dans l'attente de ce grand jour, il est dans le passage, dans ce temps de silence, entre la scène et le jour de la résurrection. Frères et sœurs, nous ressusciterons comme Jésus nous l'a dit, car notre vie demeure cachée en Dieu. Et pour ceux qui meurent dans la grâce du Christ, elle est une participation à la mort du Seigneur, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, afin de pouvoir participer à sa résurrection. Et nous découvrons que notre vie n'a de sens qu'en Dieu, qui nous appelle à vivre dans la communion avec lui, et communion avec Dieu, le vivant, communier avec Dieu, c'est-à-dire accomplir sa volonté, accomplir la sainte volonté de Dieu, vivre dans l'amour. L'amour de Dieu, la mort est un abîme à franchir. Frères et sœurs, alors que ce qui me paraît séparer tout, rencontre celui qui unit tout, le Christ, qui change le mystère de la mort en vie éternelle. Et c'est ainsi avec Job, nous pouvons dire dans la
la confiance de célébrer ce départ de notre frère, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Que l'âme de notre frère repose en paix. Va en paix, mon frère et ami. Que maman Marie, elle qui a accueilli Jésus au pied de la croix, vous accueille et intercède pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, notre Dieu est le Dieu de la vie, il n'est pas le Dieu de la mort. Il nous apporte ce matin l'espérance d'un monde tout autre, dans un cœur d'enfant. Supplions-le. Prions le Seigneur.
tous ceux et toutes celles qui se donnent corps et âme au service des autres, notamment tous ceux et celles qui se consacraient au service du révérend Père Bertrand, depuis sa maladie jusqu'à son trépas, qu'ils trouvent eux-mêmes de la consolation de Dieu, et qu'à leur dernier jour sur cette terre, ils obtiennent la grâce d'une bonne mort. Prions le Seigneur. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, pour ton serviteur, le prêtre Bertrand Devers, qu'il obtienne par ce mystère qu'il a célébré, de contempler pour toujours dans la clarté la réalité qu'il a servi fidèlement ici-bas. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. De t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée, parce qu'elle prend la fin, leur séjour sur la terre. Ils ont déjà eu le Père éternel dans les cieux, c'est pourquoi avec les apôtres et toutes les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous sentons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Amen.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Des noces de l'agneau.